Alors nous quittons Astorga et son magnifique ici édifice qui est probablement l'hôtel de ville. Et ce que vous voyez pas, c'est qu'en haut, ici, il y a une petite madame et un petit monsieur qui frappent la cloche. Ici, beautiful. Et c'est ça, ça fait un édifice incroyablement beau, surtout au petit matin, il est 7h13. Alors nous sommes en route vers Rabanal del Camino. Ce qu'on voit, c'est des montagnes enneigées, encore, et qu'il y en a de moins en moins de neige avec la chaleur. On approche les 30 degrés, fait que la neige, elle fond sur les hauteurs même. Et on s'en va à Rabanal del Camino, qui est la dernière étape avant la Cruz del Ferro, où on va déposer notre roche, qui représente le poids de la vie. Alors, en principe, quand on a déposé notre roche, la vie est beaucoup plus légère et facile. C'est ce que ça symbolise, je crois, le poids de la vie. Alors, il reste 255 km avant d'arriver à Compostelle. Et vous croyez qu'on est chez les Amérindiens, chez les Autochtones du Canada et des États-Unis. Regardez des tipis. Non, on est à El Gonzo. El Gonzo, vous voyez? Gonzo. Fait que c'est la ville, le petit village avant notre étape finale. Ces tipis, ben, qu'est-ce que c'est? Ben, c'est les albergues. C'est une alberguée pour les pèlerins. Alors, on peut dormir, manger dans une tente, un tipi. Et ça s'appelle Indian Way, le chemin des Indiens. Alors, ceux qui veulent dormir dans un tipi, ben, c'est toujours possible à El Gonzo. Regardez ces vaches avec ces cornes énormes. Hein? Avez-vous déjà vu ça, des vaches aussi cornues que ça? Moi, jamais. Et je ne voudrais pas me faire encorner par ce genre d'animal. Hein? Regardez ça. Coucou! Ouh! Regarde-moi! Elle ne me regarde pas. Il y en a une là-bas aussi. Là. Elle est plus occupée à manger. Alors, je ne veux pas faire de jaloux au Québec, mais nous, c'est l'été, quasiment. Et la preuve en est, regardez bien cet arbre bourré d'abeilles qui bourdonnent, qui sont folles de joie de butiner dans cet arbre. Incroyablement beau. Ça fait été. Et on est dans un petit village charmant, je ne me souviens plus du nom. On en voit tellement, 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 que on ne se souvient plus des noms. Alors le nom, c'est Rabanal del Camino. J'allais consulter mes notes.